Bonjour, c'est Grifox. J'ai le grand plaisir de vous retrouver pour une vidéo assez hardcore de Forge Magie. J'ai un abonné du nom de Valet Vénard Pritech Corrompu qui vient de migrer sur mon serveur Julith pour m'apporter 53 alliances Glourson qu'il tryhard dans Forge Magie depuis 3 mois pour que je puisse les passer en stream. Donc bon, je suis déjà extrêmement touché par le geste. Et j'espère vraiment qu'on va sortir une dinguerie, c'est que des jets hyper soignés. Ah bah tiens, il me faut une pourcent OPM. Bon. 53 Tantas, que des jets de fou, que des jets de fou furieux. Ça donne vraiment envie, il y a des très très belles choses. Allez, c'est parti. On va commencer par les PA, je pense, et on terminera par les PM. C'est que des jets de fou comme ça. C'est vraiment. Là, on est à moins 4 vita. Voilà, Alliance Glorson, il n'y a pas de vanne. C'est une Alliance Glorson moins 4 vita. Allez, c'est parti. 53. Alors moi, personnellement, j'en aurais besoin d'une 1% OPM et une Overvita PM, voilà, pour mes modes PVP. Bon, je sais pas, peut-être que j'aurais plus de chances d'en passer en disant ça. En tout cas, voilà, je lui souhaite de tout cœur qu'on ait au moins un exo qui passe sur un gros jet, et c'est parti sans plus attendre. Sachant évidemment que un PM serait bien mieux qu'un PA, puisque avoir un IR-Perf plus un Over ou un Exo-Res, c'est beaucoup plus dur qu'avoir un IR-Perf, donc un IR-Perf plus Exo ou plus Over plus PM est bien plus valeureux à la fois en termes de valeur marchande et en termes d'optimisation qu'un PA sur un jet Perf ou IR-Perf. Allez, on clique, première. Pas de PA. La deuxième, c'est que des jets qui sont très soignés, c'est magnifique. Pas de PA. Alors, il faut que je regarde comment elle se. Ouais, ça y va comme ça, très bien. Pas de PA. Celle-là, magnifique. Ah, si on a un PA sur ce jet. Pas de PA. Bon, on va pas s'attarder à chaque fois, mais c'est vraiment que des jets de fou. Hein. Là, un d'intel. J'aurais pas fait ça, j'aurais plutôt mis de. Ouais, enfin, oui, cela dit. Bon, oui, c'était peut-être le meilleur call, l'intel. Celle-ci. Oh, elle est très très fat celle-là. Énorme exo, énorme G pour du PA. Ah, mais c'est même pas du PA, c'est 300. Mais attendez, mais c'est un truc de fou. 302 vita, c'est over 50 de vita. Bon, c'est pour un PM ça. Mais attendez, mais c'est. Le tryhard que ça a dû lui demander en Forge Magie pour sortir ça, je suis franchement bluffé. Bon, donc on va garder pour PM celle-ci. C'est incroyable les G, hein. Incroyable les G qui nous sort. Pas de PA ici. Ah, ça met des étoiles plein les yeux, ça m'émeut en vrai, vraiment ça m'émeut de voir ça. Surtout que je réalise le travail que ça demande derrière en fait. Pas de PA. Celle-là, ce sera un PM. Pas de PA. Je suis en stress. C'est pas mes items, mais je suis en stress. Je réalise la chance aussi que j'ai d'avoir le privilège de tenter ces exos. Celle-ci, incroyable, magnifique tenta PA. Avec le petit over, ça fait toujours. Passer un PA sur un over 5 vita, c'est quand même la classe ultime, hein. Ça c'est la base. Que des jets de fou. Et puis évidemment, quand j'ai des clients qui me demandent de faire des jets random éclatés, je leur passe des exo PA en deux runes. Mais quand on est sur des gros jets tryhard, évidemment, c'est plus compliqué. Ça c'est la vie, hein. Ça marche comme ça. Allez, encore 30. Bon, je vais accélérer un peu, parce que bon, on va pas à chaque fois s'extasier devant chaque jet, puisque c'est que des choses magnifiques. Pas de PA. Bon, j'en ai sauté une d'over vita, faudrait que j'aille la chercher derrière. Pas de PA. Allez. Non. Ah, j'ai le cœur qui s'emballe, tellement ça me rappelle des choses en plus parce que là je sors d'une grosse session sur un orthographe où j'ai passé un exo PA en 123 tentats. Allez, petite over initiative ici. Non. Ça c'est pour 100. Pas de PA. Les over 1 d'intel, enfin les exos 1 d'intel, je suis pas trop fan parce que bon du coup ça fait stylé d'un point de vue Forge Magie, mais d'un point de vue PVP ça n'a pas trop de sens. Puisque ça va pas trop être joué sur des modes intel. Après on peut pas mettre. Enfin c'est plus compliqué si t'as un de puits, tu peux pas vraiment mettre d'ini ni de vita, donc bon tu fais ce que tu peux. C'est tout à fait cohérent d'avoir mis ça en Forge Magie. Toujours pas. Celle-ci très très belle. Full perf over ini. Pas de PA. Oh là 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 là, le travail que ça a dû lui demander. Bah, il me dit que ça fait 3 mois qu'il est dessus, je le crois. Hein. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant.
Non. Bon, faut que je me détende là parce que du coup ça me bouleverse un petit peu, je vous avouerai, de faire cet entas. C'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de voir ça. Et puis le geste de l'abonné quoi, qui me les amène sur mon serveur, quoi, c'est vraiment hyper hyper gentil. Hein. Ah, puis apparemment après on va faire un brisage PA sur le nouveau bouclier. Incroyable. Bon, c'est ce soir, tout va bien. Les abonnés nous donnent du contenu pour les streams et les vidéos, ça régale. Mais là, c'est évidemment léger PVP qui nous intéresse. Pas de PA. Pas de PA. Allez, allez. Celle-là, c'est une belle Overvita également. Moi, franchement, s'il doit y en avoir une qui passe, je voudrais que ce soit sur une PM. Hein. PM bien plus intéressant, bien plus dur à aller chercher. Non. Faut se rendre compte que chaque clic que je fais, c'est des heures de forge magie derrière pour avoir l'attentat. Hein. C'est impressionnant. Hein. Alliance Glorson, c'est pas de l'item facile en forge magie. Hein. Surtout pas avec des jets soignés comme ça. C'est tellement impressionnant. Je suis vraiment bluffé. Hein. Je vais boire un petit coup pour me. Ouf, je suis complètement émoustillé. Ça me fait de l'effet. L'infusion ne m'a pas donné la force de passer l'exo. Il doit rester. Il m'a dit qu'il devait lui rester une tenta PA quelque part. Celle-ci, je l'ai sautée. Il a l'air d'avoir très très bien compté les runes. Bon, pas de PA, il nous reste 9 tentes à PM, c'est les plus grosses tentes qu'on fait maintenant. Allez, première en pourcent haut. Pas de PM. Deuxième en pourcent haut. Pas de PM. Troisième en pourcent haut. Putain, mais me dis pas qu'il a fait exprès des pourcents hauts parce que j'ai dit en stream que j'en cherchais une pourcent OPM. Si c'est ça, c'est tellement adorable. Les jets sont incroyables. Hein. Tous les jours, j'échange mon anorthographe. Je veux bien me taper 500 tentats sur anorthographe si c'est pour passer un PM comme ça, vraiment. Hein. C'est tellement des beaux jets. Oh non, pas de PM. Allez, le pourcent haut. Pas de PM. Il nous reste 4 tentats. Ça doit être des overvita que j'avais passés. Allez, on va essayer de les repêcher dans le lot. Magnifique celle-ci, vraiment, c'est impressionnant. Si on a un PM là-dessus, franchement, c'est une masterclass. Full perf. 52 vita. Bon, Lini, moi, je considère que ça pose pas du tout de problème. C'est incroyable. Pas de PM. On va souffler un petit peu, on va aller rechercher les quelques anneaux que j'ai passés. Alors je sais que vous ne voyez pas, hein. Je me dépêche de vous les retrouver. Ok, il y en a une ici, 299 vita. Pas de PM. Quel dommage. Il me reste deux tentats. ...296 vita, 40 sagesse, c'est magnifique. Ah, j'aurais tellement aimé. J'aurais tellement aimé qu'on passe un PM sur un de ces jets énormes, et c'est la dernière, celle-ci. Le dernier clic, les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte du travail que ça lui a demandé derrière en fait. C'est un truc de dingue.
C'est trop. Le pire, c'est qu'il m'avait, il vient de m'envoyer un message là il y a 5 minutes, mais j'avais jamais entendu parler de lui avant en fait. Il faisait ça dans son coin. Je savais même pas qu'il allait. Il m'a dit qu'il venait d'arriver quoi. C'est incroyable. C'est exactement ce qu'il me faut. Il m'en faut une Overvita PM et 1% OPM pour mes modes PVP. C'est un truc de fou. Bah écoute, en tout cas, un énorme merci à toi hein, parce que tu es sur le stream. Merci beaucoup. Ça me touche. Ça me donne envie de m'investir dans les streams, dans Dofus, dans tout. Là, c'est un énorme coup de boost que tu me donnes. On n'a pas eu la chance de passer d'exo sur CG incroyable. Peut-être qu'il y aura une prochaine vague et qu'on aura un exo qui passera. Mais c'est impressionnant et c'est des. Franchement, je suis bouche bée. Je suis bluffé. Voilà, bah écoutez, je vais essayer de me remettre de mes émotions. Je vais me sentir bien minable sur mes prochaines sessions exo quand je tenterai des exos sur des choses moins belles que ça. Donc maintenant, bon, bah, on va essayer d'être, de se montrer digne et puis de faire des belles choses. Mais là, c'est quand même une belle leçon d'humilité qu'il nous a donnée. Il me dit à dans 3 mois. Eh bien, qu'à cela ne tienne, j'attends ça avec impatience. En espérant que peut-être on puisse avoir le. La chance de passer la plus belle alliance glosson du jeu en stream, parce que là il y a des tentas, la tenta 52 Vita par exemple, c'était meilleure alliance glosson du jeu direct hein, si ça passait. C'est impressionnant. Voilà, je suis touché, je suis ému et je te remercie sincèrement. Je vais essayer de laisser baisser la pression. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire. Tous vos commentaires, j'y réponds souvent. Sachez qu'on fait ces petites sessions en stream sur Twitch et que je publie aussi mes actualités sur Twitter. Vous avez les liens en description si vous voulez me suivre. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.